La Radio Maria s'adonne à la retransmission régulière des événements catholiques dans la région pour accompagner la mission de l'Église. Elle se déploie avec du matériel adapté à la mobilité afin de servir la population qui se trouve distante des lieux de célébration comme le veut sa mission, précise Abbé Adeodatus Muhigi. La Radio Maria a un grand rôle pendant des grandes célébrations. Non seulement pendant les grandes célébrations, mais aussi les célébrations hebdomadaires. Pendant la semaine, nous avons des messes régulièrement qui sont aussi diffusées en direct. D'abord, c'est en relation avec notre mission de la radio, surtout la ligne éditoriale qu'il s'agit. Il s'agit de l'évangélisation en vue de conversion. Alors, la Radio Maria, c'est un outil qui aide l'évêque à évangéliser, aide les disciples de Jésus-Christ, aide les prêtres à évangéliser. Surtout atteindre les plus petits qui ne peuvent pas se rendre à la messe. C'est pour cela que vous nous voyez souvent avec notre studio mobile. Nous évangélisons à travers les médias, à travers la Radio Maria. Ce service nécessite un investissement que la Radio Maria obtient non seulement au sein de l'Église, mais de par les donations. Nous sommes une radio qui est apolitique et non commerciale. Et donc, nous ne savons pas vendre les espaces à la radio et puis les communiquer, on ne sait pas les faire payer, donc nous n'avons pas de tarification. Nos boss, entre guillemets, ceux-là qui soutiennent la radio, ce sont les auditeurs. Donc, à partir d'une bonne qualité, parce que nous avons une grille de programmes qui est riche, les auditeurs qui suivent Radio Maria aiment la radio et la soutiennent eux-mêmes. C'est pour cela qu'il y a des boîtes de collecte dans les paroisses. Et nous avons aussi un mois spécial qu'on appelle Mariathon, où les fidèles contribuent d'une façon spéciale, une collecte spéciale. Voilà pourquoi nous pouvons aussi compter tous les jours sur nos auditeurs. Pour les messes, à grand et petite échelle, le personnel de la Radio Maria s'affaire afin de vulgariser l'Évangile, observons-nous, au sein du diocèse de Goma.